Il y a eu une attaque d'émeutiers contre le Madison Square Garden. La JTF et le CERA utilisaient le site comme hôpital de campagne. Mais des types armés sont arrivés et ils ont pris le personnel médical en otage. Nous avons besoin de ces otages. Vous allez avoir affaire à de nombreux éléments hostiles. Ils retiennent prisonniers le Dr Kendall et ses assistants. Et nous avons besoin d'eux pour rétablir l'aile médicale de la base. On va rester ici pour couvrir vos arrières. Et on escortera le personnel médical une fois que vous les aurez libérés. Pourquoi tu t'échappes ? Tu me la fais pas à moi ! Si vous arrivez à me donner accès au système de sécurité, je devrais pouvoir localiser Kendall. J'y suis. Voyons ce que je peux trouver. Vous voyez les images de la caméra de sécurité? Apparemment, ils obligent Kendall et ses assistants à soigner leurs blessés. C'est la seule raison pour laquelle ils sont encore en vie. On dirait qu'il y a un groupe à l'étage, dans un restaurant. Ils sont assez nombreux, mais si vous restez à couvert, vous devriez pouvoir les éliminer sans prendre trop de risques. Kendall et ses assistants se trouvent encore à l'étage. Ils sont retenus prisonniers dans la cuisine de Kobe's. Apparemment, ils ont complètement saccagé le Garden. Ça aurait brisé le cœur de mon père de le voir dans cet état. On venait souvent voir des matchs ensemble. Les relevés indiquent que cette zone est sûre. C'est une bonne chose que mes parents n'aient pas vécu assez longtemps pour voir ça. Mais... quand je pense à tous les gens qui font ce qu'ils peuvent pour survivre, c'est pour eux qu'on se bat. Allez-y. Pour accéder au restaurant, vous allez devoir traverser plusieurs zones contaminées. Un grand nombre d'infectés étaient traités ici avant d'être abattus. Alors, prudence. Attention, vous allez quitter la zone de sûreté. Oh,
restez à l'abri et vous faites pas repérer. Attention, élément hostile détecté. L'escorte essuie des tirs en provenance du toit. L'extraction des otages va être compliquée. Montez et éliminez les types qui leur tirent dessus. On est bloqué. Il faut que quelqu'un monte dégager le terrain ou on s'en sortira pas. À vous de jouer. Médical est en sécurité. Kendall et ses assistants sont sains et saufs. Aucune perte à signaler. C'est un excellent début, agent. J'aurais bien aimé pouvoir vous couvrir tout à l'heure, mais je pense qu'on forme déjà une équipe très efficace. Une fois que vous serez de retour à la base, il faudra qu'on parle à Kendall, histoire de voir comment elle peut nous être utile. Vous êtes sur le point d'entrer dans une zone de sûreté.
vous faites du super boulot. Passe pas à côté de ça. Il paraît qu'il y a une spécialiste des virus. Qui c'est qui donne les ordres ici? Elle pourra peut-être nous en dire plus sur ce qui s'est passé. Ce serait peut-être un monsieur qui ne veut rien. Tous les patients, on est tous à la même enquête. Il y en avait un paquet dans cet hôpital. Oh, les choses, c'est pas la peine de la ramener. C'est juste de voir le bon côté des choses, c'est tout. Ouais, si c'est la fin de mai, c'est jusque de malade abattu sur leur lit. Eh ouais, c'est ça le business. Ça te touche pas, toi, ça fait rien. Meilleur prix, meilleur matos. Allez, viens voir. Quelque chose là. Salut. Alors comme ça, vous êtes un agent de la division, hein? Enfin, super. Regardez qui est là. Merci de m'avoir sorti du garden. J'avais déjà travaillé. Ouais, je sais. On peut pas dire qu'ici ce soit beaucoup mieux. Le matériel est dépassé, il y a zéro personne. Je vois pas comment on va faire. On fait de notre mieux, Dr. Kendall. Mais si vous avez un avis à me donner, je vous écoute volontiers. Ouais, d'accord. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, je sais. Ce qui compte, c'est de vaincre le virus. Mais j'y arriverai pas si j'ai pas plus d'informations. Voilà une première piste. Le CERA est convaincu qu'un certain Gordon Amherst a quelque chose à voir avec l'épidémie. Génial. Quelle ordure. Je l'ai vu présenter un article à Columbia. Il a failli provoquer une émeute. S'il est bien impliqué là-dedans, je vais devoir lui parler. Trouvez-moi tout ce qui pourrait lui appartenir. Carnet, ordinateur, et rapportez-moi ça immédiatement. Ah, et j'ai aussi besoin d'échantillons et d'anticorps. Allez, vous avez du travail. Et vous, vous faites quoi? Moi, j'étudie ça. Et je continue de sauver des vies. Si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais m'y mettre. Tout a l'air nickel. Si on s'en sort, je vous embauche dans mon labo. Benitez se trouve au checkpoint de Dyer Avenue. Tu cherches quelque chose? C'est ici. Si j'ai pas, c'est que ça existe pas.
Enfin un hôpital. Faut bien commencer quelque part. On a assez de personnel pour s'occuper des malades, mais on risque pas de manquer de boulot. Chef, je confirme la réussite de la phase 1. Je répète, phase 1... Agent, le docteur Kendall veut que vous sécurisiez la gare de triage de Hudson. La zone est devenue un camp de réfugiés, là où se retrouvent tous ceux qui ont été chassés de partout ailleurs. On a besoin d'échantillons sanguins prélevés sur des réfugiés, qu'ils soient malades, en bonne santé ou qu'ils aient survécu à la grippe du dollar. Le docteur Kendall en a besoin pour réaliser des tests. Sécurisez le site et nous on... Agent, on a un chargement qui attend d'être récupéré. Ensemble, on devrait pouvoir y arriver. Mais heureusement que c'est vous qui êtes sur le terrain et pas moi. Puisque j'aime pas être sur le terrain, moi. Puis j'aime pas les gens. Puis j'aime pas les chargements. Bon, allez, je vous envoie les coordonnées. Meilleur matos de la ville. Viens voir ça. Vous écoutez Rick Valassi et comme par hasard, le meilleur, si ce n'est l'unique, podcast radio pirate parano de tout l'État. Attention, vous êtes sur le point de quitter la zone de sûreté. Attention, élément hostile en approche. 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 Ah, agent. Il y a plein de gars ici qui voulaient parier que vous y arriverez pas. Mais j'ai toujours refusé. Principalement parce que j'ai pas grand-chose à parier. Et aussi un petit peu parce que j'ai confiance en vous. Franchement, beau boulot. Chef, je confirme la réussite de la phase 1. Je répète, phase 1 réussie. Bon Dieu de merde! J'aimerais bien dire à celui ou celle qui m'a envoyé ici d'aller se faire... Une de nos priorités consiste à rétablir l'électricité.
Et si on veut une source d'alimentation sécurisée, je pense que notre meilleure option, c'est la ligne. Ce tunnel est le principal point de passage pour la nourriture, les médicaments et les armes en provenance de l'extérieur. Le problème, c'est qu'il y a un groupe d'émeutiers armés et équipés d'explosifs qui essaient de traverser la zone de quarantaine. Agent, on a quelques difficultés. Communication, vous pourriez essayer de les régler? Perso, j'ai jamais tourné une scène pareille, alors je peux pas vous aider sur ce coup. Terminé. Il y a 3 corps qui sont arrivés depuis hier. On les a décontaminés et mis dans des sacs. Ok. Quelqu'un viendra les récupérer d'ici une heure. Super. Honnêtement, je sais pas comment vous faites pour supporter tout ça. Moi, je commence vraiment à... Attendez. Il se passe un truc, là. Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici. C'est un centre de convalescence du SERA. Je vais vous demander de... Reculez, et tout se passera bien. Tout ce qu'on veut, c'est les médicaments. M'obligez pas à faire une connerie. Oh mon Dieu, oh, c'est pas vrai. Excellent travail, agent. Comme d'habitude. Au fait, je voudrais vous donner un petit conseil de pro. Tenez-vous-en à ce que vous faites de mieux. C'est ça le secret du business. Vous êtes bon, hein, mais il y a assez d'acteurs comme ça. La division a besoin de vous. On s'en fout des chaînes de télé. C'est de la merde. Ce tunnel est le principal point de passage pour la nourriture, les médicaments et les armes en provenance de l'extérieur. Le problème, c'est qu'il y a un groupe d'émeutiers armés et équipés d'explosifs qui essaient de traverser la zone de quarantaine. Il y a une garnison de la JTF qui fait son possible pour les en empêcher, mais ils sont dépassés. Et si les émeutiers font sauter les vannes, le tunnel sera inondé, la ligne d'approvisionnement sera coupée et un paquet de gens vont mourir. On a eu confirmation que Benitez était sur place.
Du coup, il va falloir sécuriser la zone où il se trouve et lui faire regagner la base. Tu vas t'ouvrir, putain! Ici le capitaine Benitez. Demande de soutien immédiat au niveau du checkpoint du tunnel Lincoln. Ces connards prennent le blocus d'assaut. S'ils font sauter les vannes, on va tous se retrouver sous la flotte. Ok, voilà le deal. J'ai un radeau de secours planqué sur un des quais du West Side. Le truc, c'est que le blocus de la JTF est toujours en place. Mais si on fait ça de nuit, on devrait pouvoir passer sans se faire voir. Attention, même si je connais leurs horaires de patrouille par cœur, ça va pas être facile. Et puis c'est pas gratuit non plus. Si tu veux passer, il va falloir payer. Et je veux pas de cash, ni d'or, ni des conneries de ce genre. Faut que ce soit quelque chose qui ait une vraie valeur. Mais je suis sûr que tu trouveras, si tu veux vraiment partir d'ici. Capitaine, il se dirige vers le tunnel. Il tire sur tout ce qui bouge. Bordel, ils sortent de partout. Les laissez pas passer. Capitaine Benitez, ici Saylo. Nous sommes des agents de la division. On a éliminé toute menace dans le périmètre. Je vous ai donné accès à notre système de communication. Vous allez pouvoir envoyer du soutien directement là où c'est nécessaire. C'est une bonne nouvelle, mais j'en ai une mauvaise. Ces ordures ont réussi à passer et ils sont en train de mettre des explosifs sur les vannes du tunnel. Ils sont prêts à tout pour s'enfuir. Mais si les bombes explosent, vous savez comme moi ce qui va se passer. Envoyez une démineuse s'occuper de cette bombe. Protégez-la.
Faites gaffe aux Rikers pendant que je la désamorce. Attention, hostile en approche. Dieu, c'est pas passé loin. Ces connards sont prêts à tuer n'importe qui pour obtenir ce qu'ils veulent. Rejoignez-moi au centre de contrôle. Hey, comment ça va? Comment ça va? Le LMB déménage.
Il paraît qu'il s'installe près du tunnel du Queens. Bon, qu'est-ce qui nous reste? Je sais pas qui vous êtes, mais bienvenue. J'espère qu'on peut compter sur vous et vos copains cette fois. Parce qu'il y a un putain de combat qui nous attend. Écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on a des agents de la division en backup. La mauvaise, c'est que les autres là-bas, ils vont pas... Attention, il y a un sniper ennemi un peu plus loin. Ouvrez l'œil. Que la menace a été éliminée. Alors je vous dis merci. Mes gars vous disent merci. Et tout New York vous dit merci. Je me dirige vers la base avec une escorte. Venez me voir quand vous y serez. Beau travail. S'ils avaient fait sauter les vannes, on aurait perdu une des principales lignes d'approvisionnement. Maintenant, Benitez peut retourner à l'aile de sécurité. On se retrouve là-bas.
Agent, on a récupéré un enregistrement vidéo plutôt gratiné. Ces émeutiers valent pas mieux que des animaux. L'eau devrait vous l'avoir envoyé. Je confirme la réussite de la phase. Chef, je confirme la réussite de la phase 1. Je répète, phase... Comment on va se laisser faire ? Tu fumes ? Tu veux des clopes ? J'ai un paquet tout neuf, là. Encore sous plastique. Allez, les gars. Centrale à patrouille. Un de nos éclaireurs a repéré un avant-poste près de l'entrepôt sur la 33e ouest. Allez les aider. Vous avez tout... Ah, oh, tous ces pauvres gens. Les relevés indiquent que cette zone est sûre. Approchez-vous. Le capitaine Benitez nous a trouvé du café. Oui, j'ai réussi à récupérer ce que Kerman avait mis de côté. Bon, on est responsable de la zone qui va de Midtown au Lower Manhattan. Parce que absolument personne ne peut quitter l'île, nous compris. Mais notre plus gros problème, c'est encore le manque d'effectifs. La plupart de ces quartiers sont actuellement occupés et sous le contrôle d'éléments criminels. Rikers, nettoyeur, gang. J'ai pas assez d'hommes pour reprendre un quartier, encore moins pour maintenir l'ordre, du coup... Ces ordures sont libres de voler ce qu'ils veulent, de tuer qui ils veulent, simplement parce qu'il n'y a personne pour les arrêter. Ce qui veut dire que c'est à nous de nettoyer cette partie de l'île. Si on veut que les habitants aient de la nourriture et des soins. J'en sais rien. Vu la taille de la zone,
Et le nombre de tarés qui se baladent, je suis pas sûr que vous ayez les épaules pour gérer, sans vouloir vous vexer. J'ai pas envie de vous jeter en pâture à une meute de loups. C'est nous, les loups, capitaine. Je sais. Mais peut-être que vous pourriez convaincre la division de vous envoyer plus de gars. Pour le moment, il n'y a que nous. Il faudra vous en contenter. J'arrive pas à croire que je mets ma ville entre les mains des fédéraux. Dès qu'on a des infos, on vous tient au courant. Bonne chance. Il vous en faudra. Chef, je confirme la réussite de la phase 1. Chef, je... Agent, le docteur Kendall veut que vous sécurisiez la gare de triage de Hudson. La zone est devenue un camp de réfugiés. Là où se retrouvent tous ceux qui ont été chassés de partout ailleurs. On a besoin d'échantillons sanguins prélevés sur des réfugiés, qu'ils soient malades, en bonne santé ou qu'ils aient survécu à la grippe du dollar. Le docteur Kendall en a besoin pour réaliser... Chef. Faites attention à vous, agent. Attention, vous quittez la zone de sûreté.
Agent, ici le Dr Kendall. Vous devez à tout prix protéger la vie des civils que vous rencontrez. Si on regarde les statistiques, certains de ces réfugiés doivent avoir survécu à la grippe du dollar. Par conséquent, ils disposent d'anticorps dont j'ai impérativement besoin si je veux avoir une chance de combattre cette saloperie. En ce qui concerne les malades, le fait de disposer d'une plus grande variété génétique d'échantillons du virus nous aidera à évaluer le taux de mutation. Pour faire court, ces gens doivent rester en vie jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. C'est clair ? Alors parfait. Vous êtes proche d'un écho lisible. Oh, c'est dégueu, putain ! Je crois que je vais gerber. Hé, hey, c'est ça ou rien? Du nouveau. Faye me dit que les nettoyeurs retiennent toute la population du camp en otage. Ça a l'air d'être le cas, oui. Et ça correspond à leur façon de faire. Dites-moi, docteur, si vous vouliez éradiquer toute trace d'un virus, vous iriez où? Là où se trouvent les foyers de concentration, les camps de réfugiés, les bidonvilles. Oh, Seigneur. Vous voulez pas dire que... Une solution draconienne, oui. Mais efficace. Ouais, si vous êtes une meute de cinglés portée sur le génocide... Vous vous demandez jamais si on mérite de survivre à ce truc, finalement. Tous les jours, docteur. Tous les jours. Bonne chance, agent.
Attention, élévation du niveau de contamination. Vous avez entendu ça? Vous êtes en plein dedans. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au sujet des réfugiés infectés. J'imagine que vous allez tout faire pour les maintenir en vie. Mais j'ai besoin de ces échantillons de virus et il me faut impérativement des échantillons d'anticorps viables provenant de survivants. Il faut qu'ils soient plus que juste en vie. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je m'en mets au travail. Kendall termine. Alerte. Composé chimique potentiellement inflammable détecté. Vérification recommandée. Confirmé. Il s'agit bien de Napalm B. Vu la quantité, je pense qu'ils comptent mettre le feu à toute la gare. Et quand ils vont le faire, ils vont tuer jusqu'au dernier réfugié qui a le malheur de s'y trouver. Il faut absolument mettre ce réservoir en lieu sûr. Thank you.
tenir le coup au moins. Ok. Dès que la situation sera sous contrôle, j'ai une équipe de choc Serra JTF prête à passer à l'action. Ils se chargeront de récupérer des échantillons sur un maximum de réfugiés. Il y aura du personnel médical ? Oui, docteur. Il y aura deux ambulanciers. Deux ? Seulement deux ? Vous inquiétez pas, le reste de l'équipe est formé aux premiers soins. Ils savent comment trouver une veine. Sans contaminer les échantillons, j'imagine. Voilà. Ni s'infecter eux-mêmes. D'accord, je vous fais confiance. Merci, docteur. Agent, à vous de jouer. Docteur Kendall, équipe d'échantillonnage, vous me recevez ? Battelle à l'appareil, je vous écoute, docteur. Ah, lieutenant, parfait. Écoutez, j'ai besoin que vous notiez les informations de chaque personne sur laquelle vous prélevez un échantillon. Âge, sexe, groupe ethnique, état de santé général sur une échelle de 1 à 10. Et ensuite, vous étiquetez et vous organisez les échantillons en fonction de chaque... Excusez-moi, docteur. Ça pourrait peut-être attendre que la mission soit entièrement accomplie. Vous voulez dire que vous ne faites pas confiance à votre agent ? Je donne simplement la priorité à ce qui est prioritaire. Lieutenant, veuillez contacter le docteur une fois la zone sécurisée. Compris. Ne vous inquiétez pas, docteur. On s'occupe de tout. J'espère bien. Après tout, c'est juste la survie de l'espèce humaine qui est en jeu. Bien su, docteur. Terminé. Alors vous connaissez la situation. Il est trop tard pour sauver ces gens. Ils sont déjà tous morts. Mais il n'est pas trop tard pour nous. Ils sont plus nécessaires, ça ne fait pas trop tard pour le reste du monde. Alors au boulot.
Agent, si vous trouvez les commandes de la grue, mettez le réservoir en sécurité. Faire l'affaire, agent. Excellent travail. Ouais, bravo. Et maintenant, écoutez bien, équipe d'échantillonnage. Je vais avoir besoin de ces échantillons étiquetés et organisés de manière à pouvoir étudier certains facteurs corroborants. On va passer sur un autre canal. Je veux pas ennuyer notre agent. Ces déplacements forcés, cette Dark Zone, pourquoi faites-vous ça? Nous avons déjà tenu une conférence de presse à ce sujet. Toutes les informations pertinentes sont disponibles. Le reste est confidentiel et je ne peux faire aucun commentaire. Donc, vous maintenez que tout ceci est un genre de procédure de décontamination? Il s'agit d'une situation délicate qui demande à être gérée avec pragmatisme. Vous vous arrêtez sur un point de Agent, les données comparatives que vous avez obtenues au camp de réfugiés nous ont apporté de nouveaux éléments de réflexion. Il y a un autre rapport qui vous attend dans la base de données.